Hello guys, Nakabou, ici Karima et bienvenue sur Cagnorage. Donc j'ai une nouvelle idée de vidéo et c'est pour ça que je prends la caméra comme ça, c'est inattendu, inopiné, d'accord. J'aimerais vous amener avec moi 2 mois, je pense. Pour l'instant, c'est ce que je pense, hein, c'est une idée toujours. 2 mois dans mes cheveux et c'est avec mes mini twists. Les mini twists, c'est ma coiffure préférée, mais vraiment préférée. Et c'est sans extension, c'est avec mes cheveux, donc. Je sais pas, j'adore les mini twists et je vais vous montrer parce que pour moi c'est une alternative super super efficace. Elle est magnifique et donc s'il y a des gens qui n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de leurs cheveux, qui sont mamans, qui ont des choses à faire, etc. Je trouve que les mini twists c'est la solution idéale parce que déjà c'est une coiffure protectrice, elle est super jolie. Mais des râpes, sur râpé, le dinéco, tu as un twist out et après le twist out, là tu fais tes cheveux, tu reprends, bref. Il y a tellement d'opportunités où tu passes des twists à détresse comme je fais souvent dans les vidéos, donc voilà, je vais juste vous amener 2 mois avec moi. Qu'est-ce que je vais faire à la fin à mes cheveux, je sais pas, mais c'est 2 mois, pourquoi pas. Donc cette vidéo ce sera d'abord la préparation de mes cheveux, ensuite le tuto de mes mini twists, et j'ai reçu plusieurs compliments sur mes mini twists, donc je me la pète un peu, tu vois. Highly requested video. Donc je vais vous montrer le tuto sur mes mini twists et ensuite comment je les ai fait évoluer pendant ces 2 ou 3 mois, je ne sais pas encore. Donc voilà. Petit rappel, vous pouvez regarder ces vidéos, mes vidéos, en 1440p. D'accord, madame, haute définition. Ça me ferait un peu mal que vous les regardiez en 240, quoi, vraiment, tout gris et tout. Voilà. Laissez-moi être cute sur votre télé, sur votre téléphone, sur vos ordinateurs quand même. Quand même, il faut qu'on se voit en haute définition. Haute définition, merci beaucoup. Et si vous ne savez pas les vidéos qui doivent sortir, mais je mets tout le temps des teasers sur Instagram. Donc, vous pouvez me suivre là-bas, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, sans plus tarder, on passe tout de suite à la vidéo. Donc, pour le wash day, j'ai au moins 3 vidéos de wash day ici, sur cette chaîne. Je vais les mettre. Et en vrai, ce que j'ai fait, c'est n'importe lequel, vraiment rien de super truc. Laver mes cheveux plusieurs fois avec mon savon, parce que là, c'était les cheveux qui était sous les crochets, d'accord. Et donc voilà, j'ai lavé mes cheveux, j'ai laissé poser de l'après-shampoing, j'ai rincé, je suis venue sécher mes cheveux. Et la vidéo du séchoir, si vous l'avez déjà vue, j'avais utilisé que de l'huile d'amande, mais quand je filme, parce qu'à la fin j'ai mis des photos, sinon vous allez vous dire, mais c'est pas la même chose. J'ai mis des photos de mes anciens trucs, blowout, parce que c'est ce que ça donne en vrai, mes blowout, parce que j'utilise de la crème et j'utilise du karité quand je m'apprête à faire mes mini twists. Donc, Kentu. Si vous saviez déjà, hein, dites-le dans les commentaires. Parce que j'ai donné tous mes produits dans la vidéo, mes produits préférés. Donc, franchement, ce n'est pas vraiment une surprise si vous connaissez. D'accord? Donc, et du karité. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour sur mes trucs. Et de l'huile d'olive d'abord. L'huile d'olive, Kentu, karité. Ensuite, séchoir, résultat, ici. D'accord? C'est tout. On passe maintenant au tutoriel. Voilà. Donc, voici mes sections. Toujours, je vous ai dit, séparer l'avant de l'arrière. Donc, l'avant, j'ai séparé en 2 au milieu. L'arrière, j'ai fait 3 lignes horizontales. Et bien sûr, je vais faire encore de plus petites raies au fur et à mesure. Mais voilà. Et je vais faire de toutes petites sections pour mes mini twists. C'est vraiment des mini twists. Mais je ne vais pas serrer. Donc, c'est ça le petit truc que tout le monde me demande comment je fais. Parce que je ne serre pas les twists. Je vais vous montrer de toute façon. Donc, petite section. Parce que faible densité, petite section donne du volume. Voilà, merci. C'est tout. C'est tout. Ok. Et n'oubliez pas l'arrière au centre. Tap. Donc, peu importe à quoi ça ressemble, ça va être couvert par les cheveux du milieu là. Donc, don't stress it, girl. Just stressez-vous. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, on y va. Yeah.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Sorry, il fait un peu noir et c'est là que je vais faire le tuto en parlant, donc désolée. Donc là, il me reste une seule section à l'arrière, c'est la dernière, et je vais vous montrer à peu près comment je fais, et après le reste ça va être accéléré, d'accord? Donc, vous avez vu, j'ai ma petite section comme ça. Ce que je fais, les twists, pour un maximum de facilité. Facilité pour l'enlever, pour même la faire, essayer d'avoir deux brins égaux. C'est-à-dire les points tout, comme ça vous n'avez pas à emprunter. Il est où cette paf-là? Ok. 5 secondes. Voilà. Comme ça vous n'aurez pas à emprunter d'un brin pour amener à l'autre. Parce qu'au moment d'enlever, si vous oubliez, vous pouvez tirer dessus. Bref, plein de choses. Donc, essayez de prendre deux brins égaux. Si ce n'est pas possible là, au moins vous cherchez une solution quoi. Mais essayez. Donc, ça dépend. Divisez en deux dans ce sens-là, vous pouvez diviser en deux dans ce sens-là, genre comme ça. Ça dépend de vous. Donc, une fois que vous avez divisé en deux, ce que je fais pour avoir justement ce style, comme un style que je peux porter pour des fois plus d'un mois, ça, des fois, ça dépend du look que je veux. Quand je veux avoir l'effet Folox, ben, au calme, j'ai ça plus d'un mois, je mets juste mon huile pour éviter que ça s'emmêle vraiment, vraiment. Mais en vrai, c'est possible. J'ai divisé en deux comme ça, la section, d'accord? Et maintenant, je vais prendre une des moitiés et la diviser encore en deux. Comme ça, j'aurai trois brins et ça me permettra de démarrer avec une tresse. Parce que c'est ce que je fais pour garder les tresses, vous avez vu, bien nettes comme ça à la base. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je me tourne? Bon, après, vous allez voir au résultat. Mais pour avoir la base bien serrée comme ça, même si mes cheveux poussent, il ne pousse pas en ouvrant la tuste. C'est ça mon problème quand je démarre directement avec la tuste. J'aime pas trop. Et en plus de ça, quand je vais hydrater, ça gonfle. Donc quand il y a au moins des tresses à la base, ça ne gonfle pas autant. Le look n'est pas aussi terrassant. Je divise encore ce brin-là en deux. Donc ce que ça fait, c'est que ça donne deux brins super fins. Donc il est facile, après avoir fait la tresse sur quelques deux ou trois fois, de rassembler les deux petits brins ensemble pour qu'ils forment une moitié. Donc là, j'ai fait quoi? Deux, trois. Un troisième comme ça. Et j'attrape les deux brins maintenant comme ça. Et je fais ma twist. Au calme. Donc voilà. Maintenant, pour ma twist. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Attends, j'essaie de placer la lumière là correctement. Je ne sais pas si vous verrez mieux. Non. Attendez 5 secondes. Comme ça, vous verrez mieux. Non. Oh my god. Help me. Ooh, this is the good lighting. Maintenant, comment fixer ça quelque part? Bon, les amis, je vais chercher le trépied pour la ring light et je reviens. Désolée. C'est mieux, j'espère, pour vous. Donc, elle est où ma twist? Donc, je suis là. Donc, j'ai toujours mes deux brins. Et j'y vais comme ça. Je vais twister. D'accord. Quand je twiste, vous avez vu ce que je fais avec mes doigts? Contrairement à une twist où je fais ça. Où je fais carrément des couples de torsion, comme pour la vidéo sénégalaise twist.
Vous avez vu, là, je fais des coupes de torsion. Alors que là, quand je me tresse évanouie, je fais ça. Je vais vous montrer les deux résultats sur la même tresse que ça donne. Parce que tout se voit, en fait, quand vous lâchez enfin la tresse. Oh my God. Today is not my day. But we're gonna make it work. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir. Là, c'est quand je serrais avec le couple de torsion, comme si j'étais en physique. Vous avez vu comment ça, c'est super fin parce qu'on a twisté ça. Donc, même au toucher, là, c'est carrément mou et tout. Là, c'est super dur. C'est comme si on avait fait une corde avec. D'accord? Et je reviens sur tout ce qui est volume. C'est pour ça que j'aime faire mes twists comme ça. Parce que justement, il y a plus de volume. Alors que si c'est serré comme ça, quand c'est serré comme ça, peu importe la taille de vos sections, vos twists auront l'air de la taille de vos sections. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai pris 10 cheveux, la twist va ressembler à une twist qui a 10 cheveux. Alors qu'au contraire, si j'ai pris 10 cheveux, cette twist-là, comme elle est lâchée et qu'elle gonfle, surtout avec le temps, elle a l'air un peu plus épaisse, donc elle donne cette impression de volume. D'accord? Donc je vais enlever toute cette partie-là. Et vous avez vu, quand vous avez deux brins, c'est facile. Vous cherchez les deux et il n'y a pas à truquer. Vous n'avez même pas peur de vous casser les cheveux ou quoi que ce soit. Donc je sépare et j'y vais encore. Cette fois-ci, avec la manière dont j'aime faire mes twists comme ça. Ah oui, et j'ai étiré mes cheveux parce que j'aime bien étirer mes cheveux. Je peux faire aussi ça sur des cheveux mouillés. Genre je sors de mon truc et tout, le look va être un peu plus serré, un peu plus court parce que mes cheveux vont shrinker aussi. Et je trouve que je peux obtenir ce look après 2 semaines quoi, quand je vais laver mes twists, les twists comme ça, parce que après dans tous les cas ça va shrinker quoi. Donc ça me donne, je préfère avoir ce 2-en-1 que d'avoir directement les twists super shrinkés. Mais ce qui est bien avec les twists qu'on fait mouiller, c'est que la définition qu'on a après est encore meilleure. Mais bon, après 2 semaines de twist, définition ou ça définitionne ou ça définitionne, parce que tu vas définitionner. Je sais pas ce que je viens de dire, faites pas attention, je suis fatiguée. Donc chaque fois que je finis ma twist, vous avez vu le bord, d'accord, je peux aller jusqu'au bord, hein. C'est pas une question de vous pouvez aller jusqu'au bout, continuer, arrêtez-vous où vous voulez, c'est pas ça le truc. Je prends du karité comme ce que je vous ai montré tout à l'heure et je mets ça au niveau du bout, que ce soit du karité ou bien de l'huile de ricin, parce que c'est une huile lourde. Parce que ça, en fait, ce que ça fait, c'est que les cheveux qui composent cette twist seront tous ensemble au niveau du bout. Donc, le fait de mettre un produit et d'après faire ce mouvement-là, fait en sorte qu'on crée une boucle nous-mêmes, que nos cheveux suivent. D'accord? Et donc, ça empêche à mes cheveux de shrinker et d'aller dans tous les sens. Et je fais ça, je remets du karité sur les pointes une fois par semaine ou deux fois chaque 2 semaines. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Parce que c'est important, sinon je me retrouve avec plein de nœuds de fée. Parce que mes cheveux vont shrinker, ils prennent l'humidité, bref. Au moins là, ça leur impose une boucle. Et ils restent dans cette boucle tant qu'il y a du produit, on va dire. Donc une fois que j'ai fini avec ça, que j'ai bien truqué, je cherche où j'ai justement des nœuds de fée où je trouve que ma twist, elle devient super fine. Et je coupe. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de vidéo. Ah, comment je coupe mes pointes. Parce que en fait, à chaque fois que je fais des twists, je coupe mes pointes. D'accord? Et en plus, on ne le sent même pas. Parce que c'est dans les twists. C'est même pas, oh my god, j'ai perdu 1 cm. Ça ne voit pas. Donc, juste au toucher, on voit où déjà c'est... Où il y a les nœuds et où c'est les trucs, bref. Donc voici la twist. On va passer sur une autre twist. Et là, je vais passer à l'avant. Donc j'ai fini l'arrière. Si vous voulez, je vous montre l'arrière. Je suis doucement avant de tout ça tomber. Donc voici l'arrière. Look at this hair. Vous avez vu, je savais que je voulais faire des twists. C'est pour ça que je ne me suis pas coupé les cheveux quand je vous montrais le truc du séchoir là. Parce que quand je vous coupe les cheveux, c'est là, c'est quand je fais des twists que je suis triste d'avoir coupé mes cheveux, parce que j'adore la longueur quand j'ai mes twists. Regardez-moi cette beauté. Donc et maintenant que je sais comment fake le volume, comment fake une coupe assez arrondie, parce que c'est ce que j'aime, je coupe moins mes cheveux qu'avant. Avant je coupais tout le temps, tellement ça me frustrait, mais maintenant cesse. Vous avez vu le nombre de twists qu'il y a à l'arrière pour fake le volume? Est-ce que vous avez vu? Toi qui t'as dit de t'éteindre? Ah, c'est l'ordinateur.
Vous avez vu la lumière? Attendez, j'allume encore. Maintenant, il faut... faut régler, monsieur, maintenant. Hey. Et c'était la couleur là. Et c'était la couleur là. C'était cette couleur là. Ok. Donc, je disais, vous avez vu comment j'ai fait le volume? Hein? Ok, maintenant j'ai des astuces et tout et je les partage. C'est pour ça que j'ai pas besoin de couper autant mes cheveux qu'avant. Pour avoir un peu de longueur. Ok, bon, on avance. À l'avant, vous avez vu, j'ai fait deux raies et je vais faire des lignes verticales. Après, je vais faire des petites raies horizontales. À l'arrière, j'ai fait des lignes horizontales. Après, j'ai fait des petites raies verticales. Sincèrement, si vous voulez vous tresser seul, j'essaie de vous donner le maximum d'infos. J'avais pas tout ça quand j'ai débuté. Franchement, je vous envie un peu. Il faut juste maintenant la motivation, en fait. Et vouloir essayer. Vous dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, derrière, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Moi, mes cheveux, après une semaine et demie, les repousses sortent. Donc, même si j'avais des raies super nettes, elles sont plus nettes au bout d'une semaine et demie. Pour une semaine et demie, je vais pas me stresser, genre. Les filles, bon, je me tais. Ok, ça prend du temps et vous pouvez bien sûr arrêter si genre vous devez aller vous coucher ou quoi que ce soit, arrêtez. Et puis si vous avez fait le bas, attacher le haut, mettre un foulard, un bandana pour couvrir, ou vous n'avez pas encore tressé, mais voilà, we are done. Ok, et c'est parti pour un mois au minimum. Donc une journée avec tout ce qui est wash day, séchage et tout. J'ai fait en une journée, mais vous pouvez laisser sécher dans les twists et puis après vous tresser. Mais là, on a fini. Et je reviens en fait parce que non, il n'y aura pas la partie avec make-up et tout ça. Peut-être le jour où je prendrai des photos, je ferai un petit coucou. Mais voilà, c'est pas censé être une vidéo de tuto quoi. C'est vous me followez pendant 2 mois. Pendant 2 mois, moi je mets du make-up comme pour les vidéos en fait. Donc, voilà, il va nous voir. Hein. Ok, on est. Hello, hello guys. Donc, ça fait une semaine que je me suis tressée. Et je suis maquillée parce que je filmais la vidéo sur. Vous avez sûrement vu Freestyle, l'ami franc, genre. Donc, voici mes twists. Je les ai toujours pas hydratées. Et. Voilà quoi, on est là, on n'est pas encore totalement shrinké, ça va, on gère. Ça commence à shrinker par contre. Je sens que la longueur des deux twists là que je laisse de chaque côté, j'aime bien celui que vous voyez, genre. Je sens que la longueur est en train de remonter, donc ça shrink lentement mais sûrement. Et sûrement cette semaine, je vais devoir mettre encore du karité au niveau des pointes. Mais vous avez vu, ça rentre facilement. Mes cheveux ne se sont pas emmêlés entre les twists et tout. So here we are. Et je ne les ai pas vraiment portés lâchés. Donc, et j'essaie d'utiliser ce type de chouchou-là. Parce que sinon, les autres chouchous, quand c'est trop serré, ça laisse une marque au niveau des twists. Vous voyez. Déjà là, j'ai utilisé ça. Et vous voyez qu'on sent nettement où j'avais attaché. Il y a une petite, courbe. Donc voilà, so far so good. Et on se voit pour le update de la semaine 2. Ouais, semaine 2 ou semaine 3. On va voir en fait. Quand il y a besoin de vous update, je vous update. Wally Wallou. Hello guys. Cette vidéo, c'est devenu un vlog. Je sais pas si vous en avez rendu compte, mais voilà, c'est un vlog maintenant. Et ça fait 2 semaines et demie que je maîtresse. Je vais vous montrer après tout à l'heure un peu plus clairement, mais. On ne voit plus mes raies.
D'accord, on voit plus mes règles. Et en plus, après, j'ai la thèse de Isa et tout. Donc, je veux avoir des twists juicy, quoi. Parce que là, mes twists, elles ont shrinké. Je sais pas si... voilà, elles ont shrinké. Et voilà. Et je veux avoir des juicy twists. Mais avant de retresser, ben, il faut que je me lave les cheveux. En plus, mon espèce d'eczéma, là, ça a un peu commencé. Ça démange pas trop. Mais quand je touche un peu, il y a des petits trucs là qui tombent. Si vous savez, vous savez. If you know, you know. D'accord? Donc voilà, donc je me suis dit, si je veux retresser, avant de retresser, il faut que je fasse mon shampoing. Donc, vu que de toute manière, je fais mon shampoing en twist, je vais faire la même chose. Et pour gagner du temps, en fait, j'enlève pas complètement mes twists avant de faire mon shampoing. Je fais mon shampoing sur mes twists et après, je reprends les twists une à une. Comme ça, je n'ai pas à faire de raies. Est-ce que vous avez vu le thème un peu? Le moins de raies possible, le moins de complications possible. Et vous allez voir à la fin, quand je vais refaire, comment ça a l'air clair en fait, parce qu'on attrape juste les repousses, on enlève tout, on attrape les repousses et on retresse. Easy peasy. Et vous pouvez prendre votre temps avec, parce qu'à aucun moment vous avez les cheveux complètement à l'air. Et on peut clairement faire la différence entre les nouvelles tresses et les anciennes tresses. Donc vous n'avez même pas besoin de séparer. Donc là, je commence par l'arrière. Et si je dois aller au boulot par exemple, j'attache. Personne ne va voir qu'il y a une différence en fait. Et en même temps, on n'a pas besoin d'être forcément en foulard, etc., etc. Donc voilà, je sais pas si je vais montrer un clip de moi en train de laver mes cheveux. Peut-être sûrement, en train de laver, en train de retresser, et puis le résultat après. Et bien sûr, avant de retresser. Donc là, ça fait 2 semaines et demie, je suis pas obligée de faire ça après 2 semaines. C'est plus d'habitude après 1 mois, de peur que ça commence à loxer, parce que mes cheveux... ok, c'est juste après 1 mois d'habitude, mais là, j'ai juste envie... J'ai pas envie d'avoir le style lox et je vais vous montrer le style lox quand j'aurai mouillé mes cheveux, ce que ça fait. C'est vraiment, on dirait des lox, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, on se voit tout à l'heure, ce sera sûrement en voix off. On se voit à la fin de tout ça, à la fin de tout, quand j'aurai retressé tout. Ça peut prendre des jours, hein, parce que je prends mon temps, vraiment. Voilà. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Là, je veux des twists un peu plus grosses. Donc, je suis en train de combiner 2 twists à la fois pour avoir ces twists-là. Donc, ça, j'ai déjà refait. On va comparer à ça. Vous voyez la différence? Voilà. Et en plus, elles sont beaucoup plus grosses. Donc, soit je mettais par 2, soit je prenais 3 twists et j'en faisais 2. Wow, here are the results. Peut-être quand j'aurai les twists lâchés et tout, on va voir. And so here we are. How do you like it so far? Tell me in the comments. Oh, je me la pète trop là. Oh. Non, mais quand vous regardez, vous voyez clairement la différence. Parce que quand mes twists, elles vieillissent, là, il y a plein de trucs en dehors et bien sûr ça shrink, donc ça devient plus dur parce que là c'est mou, il y a plein d'air parce que j'ai pas fait la torsion et tout. Mais girl, I'll be looking cute. Des fois j'adore quand c'est serré, d'autres fois j'adore quand c'est un peu large. Je sais pas, the vibe, je sais pas, j'avais juste envie de faire ça un peu plus large. Et la prochaine fois, si par exemple j'ai envie de faire ça plus petit, je vais juste encore diviser quoi. C'était super facile, j'ai pu démêler sans problème. Parce que c'est pas comme si je les avais gardés pendant 1 mois et que là j'essaye de les emmêler alors que mes cheveux ils sont sortis de la twist, ils se sont mariés, ils se sont fait des enfants. C'est pas ça, donc voilà. Voilà. Hello guys, donc
Ça fait à peu près, ça fait même pas encore 2 semaines que je me suis redressée. Vous voyez déjà les repousses. Quand je vous dis que les rires là, c'est pas important. Hein? Voilà, je ne rigole pas, regardez. Voilà, et on est à 1 semaine de Pâques. Et je veux me tresser des mèches à la laine, etc., etc. Donc ce que je veux faire en fait, vu que je veux me tresser sur ces tresses là, sur ces twists, j'ai envie de changer un peu, tu vois, de mettre une perruque pendant peut-être 2 jours, quoi, tu vois. Donc là, on va mettre une perruque et peut-être je vais filmer une vidéo avec plusieurs styles de perruque. On sait pas, vous verrez. Dans... Si c'est déjà là, ce sera dans la carte. Si c'est pas encore là, vous verrez. Vous verrez. Donc on se revoit quand je vais poser la perruque. Hein. Voilà, et je vais la garder peut-être 2 jours, peut-être changer de perruque, faire une longue, après faire une courte. Je sais pas, juste envie de changer. Et voilà, et ce qui est bien avec les twists, c'est que je peux le faire easy. Parce que j'assemble juste les trucs à l'arrière comme ça, je mets mon bonnet. Je pense que j'ai quelques vidéos avec ce processus avec les twists. Je vous mettrai la référence. Et puis, voilà, on se revoit quand je serai perruquée, hein, quand j'aurai porté mon chapeau. Donc voilà, je viens de finir mon shampoing. Ça donne ça. Et je vais me tresser sur les twists pour Pâques. Voilà, on se voit quand je serai tressée. La vidéo sera sûrement quelque part dans la carte. Je l'aurai filmée parce que comme j'ai dit en début d'année, tout ce que je fais sur mes cheveux, je vais filmer ça. Voilà. Hello guys, donc voici les tresses à la laine dont je parlais. Je vais mettre une vidéo sûrement où vous verrez tout, la longueur et tout et tout et tout. Et je me suis tressée avec cette laine là. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais bon, c'est cette laine. C'est celle-là en particulier. C'est pas celle qui a les fils, la veine, Donc voilà. Et pour cette épaisseur-là, c'est juste le fil-là. J'ai rien enlevé du fil, ce qui a donné ça, d'accord? Mais vous pouvez voir, c'est un peu lâche. Donc, je sais pas si vous étiez là depuis le début de cette chaîne où j'avais des tresses à la laine, je faisais des vidéos et tout. Donc, je vais vous mettre... En gros, j'ai même pas besoin de refaire le tuto parce que... Le tuto est déjà quelque part, d'accord? Sans être vraiment là-bas. Dans l'astuce des cheveux 4C où je vous ai montré que j'avais des twists sur chaque tresse, etc., etc. Pour permettre aux tresses d'être jolies plus longtemps, la longévité des tresses, bref. Donc ça, dedans, j'ai montré comment je faisais la base. Donc, c'est réglé. Ensuite, comment j'ai lâché, ce sera dans la vidéo Sénégalais Twist. Voilà, c'est à peu près le même principe, c'est tout, d'accord? À la base, je vous avais dit que je voulais des trucs, je voulais des mèches grosse, super grosse. Et genre, en bas, j'ai réuni 3 twists naturels pour avoir les grosses mèches. Sauf que devant, j'avais fait ça aussi devant, sauf que j'avais pas beaucoup de raies. J'avais la raie du milieu, de raies de côté, et c'était tout. Genre, j'ai besoin de raies. J'ai besoin de raies. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, finalement, devant là, j'ai fait une twist, une mèche, en gardant la même épaisseur de mèche. Donc, c'est pour ça que ça se voit pas trop derrière, genre, la différence. Mais il y a une grosse différence au niveau des raies et au niveau de... Ah, bon, le mauvais, c'est là. Donc voilà le résultat. Looking cute. Donc voilà, j'avais prévu de filmer à la base, mais il y a eu une mauvaise nouvelle et depuis, j'ai pas pu. Donc j'ai fait ça vite fait dans la nuit. Et voilà, on est Pâques. Alléluia. Joyeuse fête. Bisous, on se revoit dans un mois, sûrement. Dans un mois. Bye. Coucou, il doit être 1h15 du matin. Donc, vous sentez avec. J'ai enlevé mes mèches au calme. Ça allait faire 1 mois dans 2 jours. 2-3 jours. Donc, voilà. Donc, on est là. Et je vais garder ça comme ça. Le temps de laver mes cheveux. Donc, dès que je lave ça, je vais sûrement retwister ou faire une coiffure sur les twists. De toute façon, vous serez au courant. Voilà. Shampoing. Hydrater tout. Et là, retresser. Et une à la fois, j'enlève. Je défais tout. Et je retresse. J'ai même dû utiliser une aiguille ici. Parce que, comme vous pouvez voir, mes cheveux, ils sèment trop. Voilà, des fois, j'ai besoin d'utiliser une aiguille quand c'est pas super facile à enlever. Et je les enlève mouillés. Hein. C'est mouillé comme ça. Après, quand je retresse, c'est pas shrinké ni rien. Donc voilà. Voilà le résultat des butterflies. D'accord. Bien sûr, je vais mettre la vidéo, le tuto, quelque part sur la chaîne. Si ce n'est pas encore sorti, vous verrez ça après. Abonnez-vous. Activez la cloche. Merci. Et donc voilà le résultat. Je n'ai rien fait à ces mini twists. Et vous voyez comment c'est net à l'intérieur. Donc vraiment,
Si c'est quelque chose qui vous intéresse de vous tresser toute seule, parce que ça, ça a été tellement rapide de le faire en fait, ça n'avait rien à voir. Et tout, ça allait me prendre 100 ans. Alors que ces tresses-là, c'était il y a 2 mois, la roulette. La khadi. Donc, il y a depuis 2 mois, je n'ai pas utilisé un peigne pour ne jamais khadi quelque chose. Chaque fois, j'enlève, je refais la même et c'est net en fait, le truc. Et moi, je trouve que c'est ce qui prend le plus de temps et c'est ce qui peut me décourager de faire quelque chose, c'est le khadi. Donc, c'est la petite solution que j'ai trouvée pour, un, avoir des tresses qui durent plus longtemps parce que le brin de la mèche ou le brin du truc est clean. Tant que devant, j'arrange devant. Personne ne peut savoir que quoi que ce soit, que les tresses sont vieilles parce que Bantubi de fait, et puis il n'y a pas de cheveux qui sortent et tout. Donc, ça pour avoir ça, mais aussi pour la facilité parce que avec les mêmes twists, j'ai eu 1 mois qu'avec les twists, 1 mois avec la laine. Je suis retournée 1 semaine sans laine, et puis après, voilà, on est parti pour 1 mois de Butterfly Locks et voilà. Bonjour, donc aujourd'hui il est temps pour moi d'enlever ces locks. Quand je les ai gardés 1 mois et demi. Donc voilà, et là je vais faire une transition, mais il commence à pleuvoir. Enfin, il pleut depuis ce matin, il y a de même beaucoup de vent, donc c'est pas possible. Donc il faut que je le fasse avec la lumière là, parce qu'il faut que mon indigo garde la même lumière à peu près quand j'aurai mes twists en dessous, comme ça. Après, je vais faire mon truc et tout, je vais refaire mes twists, j'aurai des juicy twists. Ça. Et après, je vais faire le twist out. Donc, ce sera sûrement déjà sur mon Instagram. Donc, si vous voulez voir, je vais mettre le lien dans la barre de description. Et donc, je reviens quand j'aurai mes twists. Quand j'aurai mes twists refaits. Et puis, quand j'aurai mon twist out. Après, je vous laisse avec l'outro. Voilà. Ça fait combien de mois que j'ai fait cette vidéo? C'est depuis mars. On est en presque fin juin. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Mmh. Voilà, je viens d'enlever toutes les locks. Elles sont par terre parce que je faisais un réel, bref. Et vous avez vu comment c'est bouclé? C'est parce que j'avais enroulé ça. Si vous avez regardé la vidéo sur les locks, vous savez, j'ai enroulé ça à la base. Donc ça me fait ce petit truc là. Et à la base des bases, vous avez vu, il y a ce petit build up là. Et je vous en ai parlé dans la vidéo tout sur le déménage. Je vais juste mettre de l'huile et vous allez voir. Mettre de l'huile, je vais laver mes trucs. Mes twists en fait, elles sont pas shrinkées. Vous avez vu, donc quand je vais laver, je pourrais facilement les défaire et les refaire avec du gel. Comme ça, j'aurai un twist out correct, quoi. Genre. Donc voilà, donc là, je mets de l'huile partout. Je vais aller faire mon sport. En fait, il faut que je fasse le plus rapidement possible. Parce que si vous avez vu la vidéo Day in my life, I'm busy. Mon examen, c'est dans 1 semaine. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, je faisais mon réel. Bref. Parce que je vous ai dit, il pleuvait. Donc c'était la seule option pour avoir une lumière assez similaire. Et bref, let's go. Bon là, il est 19h moins, j'ai mis du gel et mon living, le Kento. C'est le dernier quart que j'ai fait, c'est pour ça que c'est toujours blanc. Là, ça a déjà séché. Bref, vous avez vu comment mes cheveux ils sont? Est-ce que vous avez vu? Genre mon shrinkage, c'est pas de la blague. Alors que derrière, c'est un peu plus truc. Donc c'est pour ça que devant, ça a l'air super court. Et derrière, super long, super long. Donc c'est pour ça que des fois, je suis obligée de faire des... Je sais pas moi... Et je me suis coupé les cheveux. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh my god. Enfin, c'était une seule mèche. Mais j'ai... Oh. Et donc, je me dis, c'est pas méchant, c'est ça. Oui. Et vous voyez, le pire, c'est qu'on voit même pas de différence. Alors que quand je tire, elle s'arrête là. Genre, j'ai mal tenu la caméra, ça s'arrête là. L'autre, quand je tire, ça s'arrête là, tu vois. Il y a une grosse différence. Mais regardez là, ça se voit même pas. À cause du shrinkage, donc. Point positif. Et en plus, là, je vais aller dans... Enfin... Dans une période où j'aurai que mes cheveux, donc. Donc voilà. Voilà, on se revoit pour le twist out. Ah oui, et vous vous rappelez dans la vidéo de comment on fait que le volume, je vous disais, oui, petite section, petite section, petite section, même quand vous faites des twists. Donc à l'arrière, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. J'ai de grosses twists, j'ai mis genre 2 trucs ensemble pour faire les twists. Vous avez vu comment elles sont grosses? Parce que dans tous les cas, l'arrière, ça ne va pas trop se voir. Mais j'ai encore divisé en 2. Si vous savez, vous savez. Et devant, vous avez vu, j'ai laissé des twists petites parce que j'aimerais bien avoir de la définition devant. Mais je vais quand même avoir du volume. Alors que si je fais juste de grosses tresses, en voulant avoir de la définition, en voulant avoir du volume, je vais perdre de la définition. Donc voilà, on fait de petites tresses. Et puis voilà, je vais garder ça peut-être 1 semaine jusqu'à après mon examen. Là, je vais enlever.
parce que j'ai un trip. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up. Donc voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cet assemblage de vidéos, ce petit vlog, on va dire, dans la vie de mes cheveux. Et voilà, si vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-moi dans les commentaires. Faites des propositions dans les commentaires. Je suis là, je suis open, d'accord. Et voilà, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, d'accord, à commenter, à partager, d'accord, cette vidéo, la chaîne, moi, Karima Muriel, tous les réseaux, sauf sur YouTube, d'accord. Et bien sûr, magaï, abonnez-vous, d'accord, appuyez sur le bouton rouge, s'il est toujours rouge, c'est pas bon. What you mean? You don't like me? N'hésitez pas à vous abonner. Bye guys. Bye.